C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ah, 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 ta tête. Ta tête, c'est ma tête. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi, là? On va où? Bah, toi, tu vas chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une planche à découper. Ça fait 9 ans, hein, qu'on vit ici, Pierre. 9 ans, déjà. T'imagines, ça file, hein. Et toi, alors? Bah, moi, je vais chez toi. Ça va, mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacun, là. Allez, maintenant, faut que tu fonces bosser. Tu joues au patron. T'as vu l'heure qu'il est? Tout le monde t'attend depuis 45 minutes. Je sais pas si je serai assez bonne pour tenir ton rôle, Pierre. Commence déjà par ne plus parler de toi au féminin, Pénélope. D'accord. C'est fatigant d'être toi, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes règles. J'ai eu la peur de ma vie, moi. Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle? J'ai une gueule de mademoiselle, moi. Pardon, madame. Oui, non, madame. Si, madame, Pénélope. Eric. Oui. Oui, mon chéri. Oui, bisous. T'appelles Eric, mon chéri? Ben, t'appelles bien Pénélope, ma chérie. Bon, alors, il est où, ton bureau, là? À droite. Pardon. Oula. Excuse-moi. Ah, monsieur le collier, ça va pas? Si, ça va, c'est très bien. Allez, ça va bien se passer. Et tu vas où? Je vais au bureau. En ce cas, essaye par là. Oui. Bisous. Attention! Ma voiture sort juste du garagiste! Ça suffit maintenant! Je viens de m'excuser! Alors tu arrêtes de me briser les ovaires, on chine le constat, tu remontes dans ta savonnette!